Coucou YouTube, on se retrouve pour Final Fantasy VII Rebirth et on attaque tout de suite. Donc, on est à la poursuite de Katsit qui a pris le truc céleste là, la clé, clé céleste. Et on enchaîne. C'était juste le combat contre Rufus. Il est parti où? Tous les combats qu'on a fait là étaient super. J'ai kiffé. Pas sortir ici, donc il doit être encore là quelque part. Faut qu'on ouvre bien les yeux. Il est où ce... tout ça? Rajoutez du piquant à votre séjour avec ces petits yeux. Y a pas moyen de le voir parce que ça paraît un peu compliqué. Il est peut-être près de la fontaine vu que... Dans les marches. Il y a Vincent là-bas. Salut beau gosse. Katsit n'est pas ici. Au revoir beau gosse. Ah. T'as tourné aussi 15 minutes? Oh, ça m'étonne pas. Croix de cristal pour Foufinette. Pas mal du tout.
Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Non. Si. Et elle a quoi, elle? Voilà pour Foufinette. Renforcement offensif. Est-ce que là, un renforcement offensif, elle? Ouais. Mais elle a pas de défensif. Je vais lui mettre un défensif. Elle a un dé... Non, elle a un affaiblissement défensif. Bon, allez. Hop, on dit que c'est bon. Allez, on continue. Voilà. Bonne chance. À vous surtout. Pourquoi t'as fait ça? Ne nous énervons pas. Je m'étais dit qu'il y avait au moins un type bien à la Shinra. Je commençais même à te considérer comme un ami. Tu nous as bien bernés. Barrette, non! Fais pas ça! T'as raison, ça serait gâcher des balles. Explique-nous. T'étais un espion? T'es vraiment un salaud! On n'aurait jamais dû croire un membre de la Shinra! On n'a plus rien à faire avec ce traître. Dis pas ça! Oh. Je le savais, depuis le début, que ça finirait sûrement comme ça. Je crois que... je me suis peut-être un peu trop attachée. Ta phase était éclatée, je suis désolé. Tu dois quitter le groupe. J'en reviens toujours pas. Et si ça se trouve, il a obtenu une promotion. Vous vous rendez compte qu'il s'est complètement moqué de nous depuis le début? Quand je repense à comment il nous a roulé, ça me fait encore plus en rogne. Aerys, quelque chose ne va pas. Non, c'est juste que je pensais qu'on pouvait lui faire confiance. Allez, oublions-le. On fait quoi maintenant? À tous les coups, la Shinra aussi est à la recherche de la matéria noire. Il faut vite qu'on les rattrape. Non mais t'en as de bonne, toi. Comment tu veux faire? Le seul qui savait où se trouve le temple, c'était Ketsit. Pas vrai? Je ne sais rien pour le temple, mais on peut retrouver l'hélicoptère des Turks. Vraiment? Je connais la fréquence qu'ils utilisent. Si on écoute leur communication, on saura où ils vont. S'il faut une radio, il y en a une dans le Tiny Bronco. Bah, et ben voilà! Ok, je pars devant pour tout préparer. Allez! Tout n'est pas encore perdu. Partons à la recherche du temple. Yes. Cloud, nous avons un appel de Gobble Kid. Je vous le passe. Salut les amis! Ici Gobble Kid, votre descendant des gobelins préférés. Désolé de vous avoir fait attendre. J'ai fini de préparer la prochaine épreuve. Si vous voulez toujours le trésor du désert, venez à la forteresse du mini-réacteur numéro 3. Je vous y attends. A plus! Bon, c'est de l'annexe, ça. C'est pour la prêteur relique.
Dobby. Ouais, c'est vrai. Donc tu le dis. Cette sortie mène à Undersaucer. Souhaitez-vous vous y rendre? Je vous souhaite bonne route. Dobby. Il est où, Vincent? Attends, est-ce que c'est là où je dois aller, moi? C'est pour la proto-relique. On est obligé de faire la proto-relique? J'ai sur le bonnet, c'est pas un signe, ça? Laissez-moi réfléchir. Ah, ok, faut que je me rende là en fait. Ok. On va enchaîner la quête principale. Hein. Pour faire une belle balade, louer des chocobos. Les passagers y ont fait une réservation au Royal Coast. Venez pour... Qu'est-ce que tu racontes, Giga Chad? La situation entre les deux parties est on ne peut plus tendue. De mon côté, je garde un œil sur les mouvements de la Shinra, mais je ne saurais dire comment les choses vont évoluer. Je vous recommande d'être prudent. Qu'est-ce que tu as comme matériel? Ça absorbe les PM. C'est pas mal, ça. Mais j'ai 0 points. Ça fait un moment que j'ai plus fait de combat dans le simulateur non plus. Je jette juste un coup d'œil. Hein. Alors, j'avais Kujata, Alexandre. C'est vrai que je pourrais les ajouter aussi. Hein. Je les avais pas mis pour voir un peu leur... Ah, on a Odin et Neo Bahamut. Ah putain, Odin, il faut que je le fasse. Ah, mais le problème, c'est qu'il y avait puissance maximale, les gars. Mais je veux bien mettre Alexandre dans l'équipe. Très cool. Très bien. Je vais le modifier, je vais le remplacer par Titan. Je vais mettre je regarde un petit peu ce que j'ai là. Odin est horrible à battre, ben, j'imagine, ouais. J'imagine. Je sais pas ce qu'on peut foutre à Tifa. Ok, on va la laisser comme ça. Et du coup, on va mettre la materia Alexander sur Clodo. Alexander effectue ses puissantes attaques non élémentaires. Son attaque spéciale Jugement Divin est une attaque magique non élémentaire. Bon, on va dire que oui. Et Kujata, ça fait quoi? Kujata contrôle les éléments de feu. Là, c'est de la foudre. Ah, ça peut être pas mal. Kujata peut être bien. On change un peu. Allez, on va attaquer. Je vais où, moi? Je crois qu'on peut descendre ici, non? Ah, il y a Sidouni. Ah, voilà. Je t'emprunte la radio. Je te préviens, c'est un vieux modèle. Ça m'arrange. Il aime bien ce qui est vieux et... Oui, c'est ça.
le continent du Nord. Compris. J'ai fini. Tous les appareils ont les coordonnées du temple. C'est le dernier chapitre, hein ? Au fait, je me suis un peu renseignée, et ça a l'air plutôt vrai, cette malédiction liée à la pierre clé. À ce qu'il paraît, ceux qui l'utilisent en meurent. C'est faux. De ce qu'on a appris, tous ceux qui l'ont utilisé pour entrer dans le temple ne sont plus jamais ressortis. Point. Mais ça revient au même ! Et malgré ça, le président nous a donné l'ordre de tous y aller. C'est franchement pas sympa. Il y va aussi, tu sais. Oh, qu'est-ce qu'il a dans la tête ? C'est bien dans son genre, ça. Ah. Je veux bien que ça soit dans son genre, mais moi, je trouve ça un peu risqué. Mais après, je le déteste pas pour autant. On y va. On doit partir c'est... pour ouvrir les portes du temple. Reno Shield. Apparemment, ils se rendent sur le continent du Nord. Ah, ok, je vois. Alors, c'est bon ? Évidemment ! Je suis même prêt à parier un bras que je vous emmène là-bas. Même si j'ai plus mes ailes pour le moment, je peux naviguer les doigts dans le nez contre vent et marée. Mais alors, ça veut dire que ça va secouer, hein ? Forcément ! Mais... des grosses vagues, y'en a toujours dans la vie. La Shinra a envoyé les Turks et l'armée. Assurez-vous d'être fin prêt. Est-ce qu'il a la classe, ce gars ? Bon. Ah non, mais je vas-y, vas-y. Let's go. Maintenant, en eau maritime. Préparez-vous au tangage causé par les vagues. Et je le fais bien, hein ? Oh non, pitié ! Pas ça ! Par contre, tiens... Ouais, 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 je voulais prendre les caisses, hein, au cas où, voilà. Ne me jugez pas. Voilà. Les caisses, les caisses. Ouais. Alors, est-ce que c'est là ? Bon, ça a pas l'air d'être ici, hein. C'est plus loin, je pense. Dire que dans le train on va pouvoir voler, ça va être trop bien. Mais j'avoue qu'une petite transition sur l'Unreal Engine 5, ce serait pas de refus. Ce serait vraiment cool.
Presque. À mon humble avis, le temple des Cetra n'est pas la terre promise que vous recherchez tant. Dans ce cas, qu'est-il selon toi ? Le lieu d'avènement d'un prophète, de la consécration de ses serviteurs. Un grand tournant de l'histoire se réalise devant nos yeux. Ce temple sera le théâtre de son prologue. Voilà ce que je pense. L'objectif est en vue. Putain, si tu savais, enfin si tu avais su à ce moment-là, Rufus. Te prépare bien à partir de là, enchaîne ça jusqu'à la fin. Ça marche, ça marche. On est vraiment au bon endroit ? On va voir. Le mec veut se débarrasser de Sephiroth. Qu'est-ce qu'il fait ? Il invoque le temple des anciens et tranquille quoi. Au lieu de d'abord se débarrasser de Sephiroth et se dire bon, je reviendrai peut-être plus tard, tu vois, histoire que pas de menace ou voilà. Vous êtes prêts ? Debout, matelots ! Ici la grand voile ! On n'a pas de voile, c'est un avion ! Et on n'est pas des matelots non plus, je te signale ! C'est pour l'ambiance, jeune fille ! Bon, allez, préparez-vous au tangage et souquez ferme ! Oui, capitaine ! Allez ! Ça doit être là, je suppose, hein. Vous ne pourrez pas repartir avant quelques... bah oui, vas-y. Go. Je sens... comme une tension dans l'air. Je crois que j'ai un peu surmené l'appareil. Je vais faire quelques réparations. Je vous rejoins après. T'es sûr que ça va aller ? Je suis le grand Zidane Wind. Et Vincent, tu fais quoi toi ? Tranquille ? J'ai plus l'habitude de sortir. C'est fatigant. Vampire, hein. Un peu de sang ? Bon, allez. Méga potion, il y en a deux. Hop, on chope. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Ouais. Poignée de grande force, ok. Faut que je regarde si j'ai pas un truc à crafter, peut-être. Hein. Regardons, regardons ça.
Non, au niveau des... Là, je dois pas avoir grand chose. Par contre, on a du poignet ultime. Ah oui, mais ça les équipe automatiquement, je crois, non? Ouais. Je vais un peu... Je fais le tour, hein, vite fait. Laissez-moi me préparer. Tac. Ouais, de toute façon, pour Iris, hein, c'est la magie. Donc, on est bon. Il me faudrait une autre poignée de force ultime. Ouais, c'est bon. Ok. C'est mieux que rien. Est-ce que, du coup... Allez, on est parti. On est parti. Bah écoutez, si j'arrive à finir le jeu ce soir, hein, je sais pas du tout, mais... Comment elle se présente la zone ici? Joli. Les anciens savaient y faire. Impressionnant. Il vaut mieux dire les Cétras. Il y a 18 chapitres ? De la planète, nous naissons. Avec elle, nous parlons. Et sa voix, nous écoutons. Et un jour, à la Terre promise, nous retournerons. Le bonheur suprême nous attend sur cette Terre, dont de la planète. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas la Terre promise. En fait, ce qu'il y a ici, c'est... de la peine. Et aussi... de la colère. Des propositions. Les salopards, il leur faut vraiment tout.
Ah, regarde, il y a un soldat avec une épée. Allez, moi, je me batte, moi. Soldat deuxième classe. Mine de rien, je suis pris cher quand même. Je l'ai atomisé. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Oh, Cloud. Que se passe-t-il, mon cher Cloud? Hey, on prend cher quand même là, mine de rien. Un petit ramucho. Et voilà, le ménage. Attendez, parce que là, je vois qu'il y a plusieurs passages. Oh là là. Ça a l'air d'aller au milieu. Mais j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Surtout qu'il y a des coffres. Bon, apparemment, on peut pas passer. Ouais, je jette un coup d'œil, les gars. Peut-être quelque chose d'intéressant. Même si c'est vrai que le jeu n'est pas très gourmand en termes de coffres et de conneries. Regarde, dans les coffres, c'est vraiment risible. Bon.
tu vois, là, genre une maxi potion, quoi. Merci le jeu. Attends, on pouvait pas aller. C'est comme l'autre côté. Hein. D'accord. Sacré bordel. Dis, Iris, t'es une ancienne et on est tes compagnons. On a un traitement de faveur, pas vrai? Ah, ça y est, Iris aussi. Après tout, je ne suis qu'à moitié Cetra. Apparemment, pas de traitement de faveur. Je suis désolée. Je vous ai suivi jusqu'ici, mais à vrai dire, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. Je vais rester dehors. D'accord, pas de problème. Et en tout cas, merci pour tout. On n'y serait pas arrivé sans toi. Attends, j'ai pas dit que je vous abandonnais. Comment vous rentrez ici? Je vous attends là. Alors revenez. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire une sieste ici? Ok. Et il va vraiment rester en bas, lui. Le jeu, il veut vraiment pas que Vincent fasse partie de la team. Sephiroth ? Tu fais référence à Sephiroth ? L'âme derrière moi. Je suis triste pour Rocher. C'est un bon gars. Je trouve ça très très stylé. C'est joli. Ah, je suis trop curieux, les gars. Wow. Si je comprends bien, c'est pour cacher la matéria noire que tout ça a été construit. Alors ça veut dire qu'elle doit valoir une vraie fortune. Chut. Évitons de parler de la matéria noire, d'accord? La Shinra ne doit pas savoir qu'elle existe. Kate Sith leur a sûrement tout révélé. Peu importe qu'ils le sachent ou pas.
On doit la trouver avant eux. Regardez, c'est quoi ce bordel? Faut croire qu'il n'y a plus de logique ici. Mieux vaut s'attendre à tout. On dirait que plutôt que la terre promise, c'est la mort promise. Ne mets pas ces idées dans la tête. Tu parles, facile à dire. Commandant, l'ancienne et les membres d'Avalanche sont ici. Si on leur tend un piège, ils ont aucune chance. Non, priorité à la mission. Séparons-nous en deux et continuons l'investigation. Vérifions qu'il s'agit bien de la terre promise. Rude, va avec Reno. Elena, tu viens avec moi. Ok. Reno. Hein? Priorité à la mission. Compris? À vos ordres. Les deux là. Alors. Le temple est un casse-tête, mais en plus, il y a la Shinra et une tonne de manteaux noirs. Je suis persuadé. Tu vas voir, il va avoir un banc juste là, tu sais. Avec la chance que j'ai. Bon alors, c'est quoi ce truc? Tu peux aller sur la droite, tu peux aller sur la gauche. On est d'accord que ça n'a rien changé là. Le japonais de Reno est mort. C'est pour ça qu'ils ont réduit les scènes d'apparition de Reno. Et personne. Tu veux dire il est mort pendant le. Le doublage oh, c'est triste. Bon alors, c'est quoi le délire, là? Alors maintenant, on est à l'envers? Non, c'est qu'une question de point de vue. Qu'est-ce qui a pu se passer? Oh. Ah. Je sens que beaucoup de sang a coulé. Il y a très longtemps, une guerre a eu lieu dans cet endroit, je crois. La guerre des Keyblade. Ouais, laisse-moi faire.
la musique, en tout cas ici, elle est excellente. Ça a fait mal à Iris, hein. Eh merde. C'est le moment d'en finir. Pas mal du tout. Attendez. Je vais changer un petit truc sur Iris. Tant qu'on est là, on va mettre feu sur RDF. Comme ça, on va un peu les. On va leur faire mal. D'après une légende, personne n'est jamais ressorti d'ici vivant. C'est ce que racontait le char. Et c'est maintenant que tu nous dis ça ? Ah ! C'était sûrement un de ces mensonges. T'inquiète pas. Ça, c'est juste pour un coffre. Hein. Même les coffres sont différents ici, c'est cool. Il y a un peu logique, hein, on va dire un peu de cohérence, quoi. Ah merde, putain, je vais où, moi, je suis con. C'est une nouvelle épée ? J'ai une nouvelle épée. Ouais, je suis désolé, j'ai même pas capté que j'ai une nouvelle épée. Brise courant ? Ah oui, effectivement. Oh, elle est stylée en plus ! Adopte une posture pour effectuer une puissante riposte en cas d'attaque. Compétence qui vive. Stylé ? Putain, tu peux faire des compétences de malade avec l'arme là. Si tellement on avait plus de matériel bleu, hein. Vindicatif augmente. Je mettrais bien ça. Ou on fait un truc complètement. Offensif.
Putain, j'ai même pas fait gaffe ce que j'ai looté, quoi. Je deviens grave. Putain, je suis transformé en grenouille. Fuck. On va vite régler cette histoire. Attaque grenouille. Musique, elle est excellente, épique. C'est quoi ça? C'était quoi le... C'était quoi ce machin? Je sais pas où je vais, mais j'y vais. J'espère que je passe à côté de... Que je... J'oublie rien. J'aime beaucoup l'épée de Cloud là. Hein. Très joli, très très joli. Voilà. On a 53 minutes. Ça va, moi aussi j'ai pris de la drogue. Alors, on dirait une épée dans Advent Children. Ouais. C'est quoi? Je regarde juste la VOD ici pour YouTube. Ben ouais, ça y est, on y est, on est au temple, on arrive à la fin là. On est proche de la fin. Donc merci d'avoir suivi la VOD jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine.